Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et puis, n'a fait qu'on est département d'État pays États-Unis réagit sous situation politique pays d'Haïti, surtout après événement qui marquait date 7 février 2021. Département d'État pour confirmer qu'il y a un citoyen américain qui a participé dans la tentative coup d'État qui fait dans le commencement de semaine. Non. Toutefois, citoyen qui a non licité dans le dossier a démenti l'accusation qui a pesé sous dole. Département d'État américain a déclaré constitution pays a dit clairement, ça qui pour faire dans la situation pays qu'on est dernier temps ça y est. Cependant, il a précisé mandat président de la République Jovenel Moïse à bout 7 février 2022, côté Sandra Lemaire, journaliste dans la voix de l'Amérique, qui t'a répondu question Jacqueline Bélisère. Moi, parler avec Dan Whitman, qui c'est personnage que nous voyons dans la vidéo que y a partagé à soi-disant un ancien employé département d'État. Et monsieur, c'est un professeur dans l'université American University, ici à Washington. Monsieur dit que l'IPA n'a rien pour le avec coup d'État haïtien, hein, que l'IPA n'a aucun monde dans l'opposition, hein, l'IPA même pas non monde dans l'opposition, hein. Il dit que la dernière fois qu'il était en Haïti, il y a 20 ans de ça, et que il n'a pas jamais tourné en Haïti, il n'a pas eu aucun contact avec personne en Haïti. Et donc, ça veut dire que le poton démenti est total sur question ça? Total. Total et complet. Et Sandra, est-ce que tu as une autre réaction encore qui sorti aux États-Unis ou bien dans l'autre pays? Oui. Exactement. Donc, moi, j'ai eu une réaction du département d'État. Nous posons plusieurs questions aujourd'hui, hein, et ils répondent toutes questions. Première question que nous avons posée, c'est qui est capable de nous sur soi-disant ancien employé du département d'État. Ça, qui est impliqué, qui t'a impliqué dans le coup d'État haïtien. Ils ont dit nous que tout travail que ils ont fait à travers l'ambassade. Et que, ils n'ont pas fait aucun commentaire sur aucun monde, aucun personnage, simple citoyen américain, sans que vous n'ayez pas permission moun ça. Et que c'est tout ça yo capable de dire nous de ça, que nous gagnons ambassade américaine, et yo ambassadeur américain très capable en Haïti, et c'est yo même, c'est avec yo même que yo en affaire. Moi, je demande yo qui réaction yo tout événement dimanche yo. Yo dit nous que les États-Unis a suivi situation en Haïti avec un pile qui est sauté et nous lancer appel by tout acteur politique yo pour yo résoudre problème yo de façon pacifique. Nous apprendre que la police nationale haïtienne a mené enquête sur 23 moun que arrêté pendant week-end, situation en flou et n'attend résultat enquête la police. Nous demandons yo qui message gagne pour peuple haïtien qui a demandé départ Jovenel Moïse. Yo dit nous malgré la constitution haïtienne pas adressé clairement la situation à Boudia, président Jovenel Moïse était élu en novembre 2016 après annulation élection présidentielle mois octobre 2015. Il prêté serment 7 février 2017 pour un mandat 5 ans qui veut dire mandat li pas fini 7 février 2022. Et là nous poser yo question souci, yo parler avec les membres congrès par rapport avec l'aide que quelques membres congrès ont voyé Bayo pour demander au suspend appuyer président Moïse. Ils ont dit nous que ils ont pas fait commentaire sur communication que ils ont gagné avec membres congrès. Département d'État a discuté sous situation en Haïti avec membres congrès. Cependant, et que secrétaire d'État a apprécié l'idée avec message que il recevoir de membres congrès sous question qui a rapport avec politique étrangère. Fédération protestante d'Haïti mandé autorité ou non l'État pour prendre disposition pour résoudre le problème insécurité avec kidnapping population fait face. Dernier temps, ça y est, vice-président FPH là, pasteur Jean-Kissomé Arduré,
invité toute population et puis surtout communauté protestante là pour la prière pour éviter pays à tomber dans plus crise. Jean Kizomer du t'a répondu question Jocelyn Pierre avec Max Joseph. Continue. Au niveau de la Fédération protestante d'Haïti, nous sommes très préoccupés par la situation de détresse, situation d'insécurité, les cas innombrables de kidnapping qui ont été enregistrés dans le pays. Dans l'année 2020, l'organisation qui a défendu les droits de l'homme a recensé 525 personnes qui mourent dans le pays. Avec des situations de kidnapping, gang, bandit, mettez à tête. Donc, qui battent malade, petit monde, grand monde, petit bébé, femme enceinte, élève d'école, toute catégorie de monde, personne pas épargné. Donc, c'est des centaines de cas de kidnapping. Donc, on a toute une population qui est traumatisée avec toutes conséquences que ça a gagné. Une situation comme ça. Pas de monde qui a bien entré pour faire tourisme, pas d'investisseurs qui a bien créé emploi, alors que le premier problème du pays, c'est un problème grand goût, que le monde n'a pas qu'à manger, les situations de sécurité, une empirée, situation grave que nous liés là-dedans déjà. Haïti, c'est le dernier pays sur le plan économique qui est dans l'Amérique là. Donc, nous n'avons pas qu'à faire pas encore. Son situation de pauvreté extrême et climat ça seulement a aggravé situation qui est vraiment difficile. La Fédération protestante d'Haïti veut profiter de l'occasion pour que nous soyons capables de lancer un message à la communauté protestante pour nous capables de crier et particulièrement les 6 et 7 février. Nous voulons lancer un message à chaque Haïtien, monde qui est dans l'État, tant pour la société civile, tant pour la population dans quatre pays, pour nous capables de faire un main contre, genre ça a commencé fait, pour nous capables de cabrer, stopper avec la plus grande rigueur ce climat d'insécurité qui fait couler trop de larmes déjà. Trop de dégâts faits, trop de monde traumatisé, trop de monde mouru, trop de monde tombé. Et nous, en tant que société, nous besoin camper. Nous dit non, ça va possible. Pour Ville Jacques Mel, rendez-vous à cité sous Avenue Barankia, dimanche 7 février. Citoyen Jacques Mel, mêlé à Claude qui soutient dans plusieurs villes dans le pays, t'es là pour camper les yeux dans la 29e édition Carnaval Ville ça. Un exercice qui commence dans l'année 1992. Pour chaque année, c'est défilé artistique là qui t'est l'ouvrir édition Carnaval ça, côté créateur, tant qu'au acteur t'es profité exposer talent yo à travers papier mâché dans sa musique. Carnaval Jacques Mel, c'est tout moyen chaque année pour différents secteurs artistiques tant qu'au commercial faire profit sous plan économique. Sous toute avenue Baran qui a, Timachan, et puis exposant diverses qualités produits présents pour vendre à carnavalier qui viennent défouler yo. Une activité qui t'a attiré monde qui remet la kinti dans plusieurs catégories. Côté président République là, Jovenel Moïse, t'es présent pour participer et puis bay valet à activité a. À côté présence la police, ambulancier national t'es là pour aider dans bay sécurité avec la soignaille avec participants yo. 29e édition Carnaval Jacques Mel là déroulé sans incident d'après bilan autorité. Et président commission communale Jacques Mellon, Marc Kissa, exprimé satisfaction le, pour façon il dit 29e édition Carnaval Jacques Mellon a déroulé. D'après Marc Kissa, édition ça a fait grâce avec effort et participation population mêlée avec acteurs culturels. Marc Kissa a encouragé l'autre région pour suivre l'exemple Jacques Mellon. Nous voulons qu'il y ait ce public-là qui témoigne et qui dit mais comment ils sont satisfaits. Et là, on finit de dire comment vous satisfait. Mais ça, vous joignez. Et moi-même, je suis satisfait tout par rapport à la réaction. Avec dit que, on regarde bien en tant que maire.
si je dis que je suis satisfait à 80%, le public a levé dans le matin, il dit satisfait à 60%. Ça me le dire. Je ne travaille pour moi, je travaille pour eux. Par contre, c'est eux pour parler, c'est eux pour dire. Mais nous-mêmes, nous avons regardé à travers la télévision, tout le monde a regardé ce qu'a fait à soir, son miracle à travers le monde, son leçon que nous avons envoyé par le monde en entier pour nous dire que Haïti, au pensé qui ont côté qui a abandonné. Haïti, que vous pensez qu'il y a un côté que moun n'a pas qu'à vivre là, c'est pas vrai. Ça n'a pas de la balle, dis-moi qui côté le café parce qu'il y a à travers le pays. Comme si vous voulez nous pas valoriser tête nous, vous voulez nous pas dire ça nous qu'à faire. En tout cas, moi je voulais dire encore, nous dit ça nous fait, nous prouver avec ça nous fait. Si il y a un monde qui pensait que ça ne dit pas bon, c'est à lui-même qui est devant nous, contre Karine. Et ancien Premier ministre Jean-Michel Lapé a encouragé Haïtiens à mettre tête ensemble pour permettre qu'il puisse pays avancer. Pendant la participation à la 29e édition Carnaval Jacques Mel, il a encouragé acteurs au travail pour permettre l'édition Carnaval National qui a fait Fort Péa réussir. On suit bien extrait. En pile création, dans affaires et Madiga Jacques Mel, dans affaires musique. Moi, je suis jeudi à la, je suis de Jacques Mel. Rajeuni, bien entendu, qui sont passés sous Bakoua, qui s'est doyen et groupe musical de Jacques Mel, mais il y a un vestibule qui est dehors. Donc, 25 ans après, Jacques Mel a pris mes flambeaux, a pris toujours. Je dis à moi quoi que type carnaval Jacques Mel là doit interpeller l'État au plus haut niveau. Et Jacques Mel, carnaval Jacques Mel, qui c'est un patrimoine. Donc, quel État prend responsabilité dans ce sens-là? Quel monde qui connaît la responsabilité dans ce sens-là? Yo là, yo existé, compétence yo là, qui est à droite, qui est à gauche, en protocole ensemble. Pour nous sauver le patrimoine, ça, et puis tout pour nous placer dans le niveau international. Je rêve un jour que le patrimoine, ça, Jacques Mel, particulièrement capable d'inviter dans le carnaval Brésil. Nous gagnons pour nous apprendre, nous gagnons pour nous vendre, nous gagnons des bagailles que nous sommes capables d'apprécier, même si nous sommes depuis l'artiste. Prochain rendez-vous, rendez-vous officiel là, c'est pour de paix. Ma petite tout le monde, on fait effort pour nous aimer la culture en dehors de la politique. Parce que moi-même, expérience, moi, carrière, la ministre de la culture, femme capable de dire aujourd'hui, les gens qui se mélangent avec politique, ce n'est pas bon pour le pays. Nous faisons pour vivre à un système côté l'État doit camper. Derrière tout opérateur culturel, derrière tout jazz, qui est à droite, qui est à gauche. Donc, je dis tout le monde qui est à droite, tout le monde qui est à gauche, qui fait partie des listes officielles, carnaval Port de Paix, là, en allée. Port de Paix, tête droite. Entre temps, préparatif, il va continuer dans Cité Capoal en Mora, à partir samedi, tout le bagage. Absent séparé, d'après porte-parole comité régional en Destima Raymond Fidner, il a invité population dans quatre coins du pays à venir découvrir potentialité des bâtiments en Nord-Ouest Guyane. Construction Stagno avancée sérieusement sur boulevard Trois-Rivières, côté Carnaval là, a bien pour commencer. Chariot a préparé, quant à pour infrastructure, un pile travail déjà fait et ces derniers touches qu'a mettez pour finaliser yo. Ça qui t'avait dit, d'ici 4 jours qui était yo, ville Port de Paix a déjà prêt à 100% pour recevoir Carnaval national là, d'après Destima Raymond Fidner, qui se porte-parole comité régional là, dans Port de Paix. Bon, ma prière d'avancer tout le monde, bon, petite occasion, pour tout inviter tout le monde sur le plan national et international, pour nous dire que la ville de Port de Paix, nous sommes prêts pour le 14, 15, 16. C'est un nouveau avec un niveau avancé, oui. Nous allons commencer à déposer sur le tour. Et nous, je dis à ça, commencer à déposer tout ouvert pour entrer dans la ville de Port de Paix. Ça veut dire que ce qu'il y a après, avec toute la structure, notre coup de marin, ça c'est prêt. Dernier touche en fait dans Charles. Bien dimanche 7 février, nous avons quitté le dernier dimanche pour le carnaval. Pour chaque qui monte la ville là, tout le monde a ambiance du cache-cache, qui est bikini, tout bon habillé, qui donc, le département du Nord-Ouest, la ville de Port de Paix, mettait à point au carnaval 2021.
pour question logistique, hôtel et maison additionnel yo déjà prêt pour recevoir visiter yo si nous les croyons déclaration porte-parole là. Parce que toute structure, tout ça qu'on met en place, et qui met en place, tout à l'heure, on a parlé avec le responsable logistique qui est dans le comité régional là. Monsieur a fait des liens avec mon équipe effectif là. Parce que n'a pas ça ma bonne équipe. Et les hôtels même c'est à féliciter. C'est des gens après carnaval là, on a médaillé. Pour le hôtel ça, parce que nous connaissons que nous avons travaillé, même pas que nous avons travaillé dans la dimension ça. Et nous avons eu l'occasion pour nous dire que nous avons eu c'est la même porte de paix que nous avons parlé, nous avons eu l'occasion de nous dire ça. Mais tout le monde, ce n'est pas hôtel seul, porte de paix. Il y a une réservation qui est hôtel seul, nous disons, il y a des gens qui ont fait l'appel, qui ont fait l'appel. Et ça, pour être PTC, a passé maintenant dans la porte de paix pour vivre sa vie. Plus loin, d'estima Raymond Fidner parlait de mise en place qui est déjà faite pour orienter tout le monde qui a bien pour aller visiter sites historiques et touristiques tant que Wad Toubondji, la ville au camp, Baie des Monstiques, Ofono, plage La Pointe-Ouest, plage Résillé, Namol Saint-Nicolas, une cité ça seulement. Depuis Cité Capo la mort, Port de Paix, Mok Edi Oussam, antenne télévision d'État. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.